Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un maquillage très simple, très rapide, très facile. Un maquillage de la flemme après une petite nuit, parce que j'ai passé une très mauvaise nuit. J'ai fait une allergie alimentaire. Non, je ne suis pas restée coincée aux toilettes. C'est juste que j'ai fait des éruptions cutanées et ça m'a démangé. Super, c'était la update. Voilà. Aujourd'hui, j'ai utilisé la base de chez Nabla et le fond de teint de chez Prada. Franchement, j'adore ce combo, c'est magnifique. Le fond de teint Prada tient hyper bien. Hier, il a fait très chaud, il a hyper bien tenu. J'ai utilisé mon concealer de chez Fenty, franchement une pépite. J'ai utilisé le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury en teinte Icon Baby, c'est ça? Icon Baby ou Iconic Baby? Icon Baby. Le mascara de chez Tarte, mais le classique, pas la nouvelle version, pas le XXL. J'ai utilisé la palette de chez Shiglam, Live to Rome, je sais pas comment on dit, j'aime beaucoup, très simple. Pour les maquillages de tous les jours, foncé, très bien. J'ai utilisé le bronzer de chez C Beauty, qui est un peu crade, mais top ce bronzer, je l'adore. Le rosing, j'adore ce blush aussi. J'ai utilisé un blush de chez MAC dans cette teinte là, c'est un peu un teinte très léger, un peu presque un lighter, mais bon, j'aime beaucoup. Si vous avez ce genre de blush dans votre collection, ceux de MAC, franchement, ressortez-les, c'est des pépites oubliées. Le bronzer de chez Nabla, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, une pépite, je l'adore. Et apparemment, pour ceux qui aimeraient le RMS Beauty, excusez-moi, apparemment, celui-ci y ressemblerait. Donc si vous avez les deux, si vous avez testé les deux, dites-moi en commentaire si effectivement c'est des alternatives. Parce que le RMS Beauty me titille, on peut le dire, j'ai envie de l'acheter. Et j'ai ressorti mon parfum Aqua et l'Orgoria de chez Guerlain cette saison. Voilà, je vous souhaite tous une très belle journée. Ciao, ciao!